Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré, déjà disponible sur la plateforme 6 Play Max, l'ambiance sera de plus en plus tendue entre les deux prétendants de Julien. À tel point qu'une discussion s'imposera, lors de laquelle l'un d'entre eux ne fera pas preuve de retenue pour partager son ressenti. Julien n'a pas fait dans la simplicité pour son aventure dans l'amour et dans le pré. En effet, l'agriculteur a choisi d'inviter chez lui à la ferme deux hommes complètement opposés. Il y a le sensible Bastien et le plus rentre-dedans Thibaut. Et comme on aurait pu s'en douter, tout ne se passe pas si bien entre eux. Dans l'épisode inédit attendu le lundi 25 septembre sur M6, mais déjà disponible sur 6 Play Max, un règlement de compte a même eu lieu. Après une nouvelle journée à la ferme, Julien a bien compris qu'un climat très tendu s'était installé entre ses prétendants. Alors, lors d'une soirée au restaurant, il a cherché à crever l'abcès. Je vois que tous les deux vous commencez à vous envoyer des petites piques. Je n'ai pas envie qu'il y en ait un qui soit mal à l'aise, a-t-il commencé. Avant de s'adresser à Bastien, je pense que si est-ce toi le plus mal à l'aise, qui ne trouve pas sa place vis-à-vis de l'autre. Le principal intéressé s'en est alors expliqué. La situation a changé avec Thibaut depuis hier par rapport à quelque chose que tu as dit. Hier soir, avant d'aller se coucher, tu as dit que tu avais eu un coup de cœur lettre pour moi. Je trouve ça violent pour Thibaut. Cette phrase a accentué la compétition et j'ai trouvé Thibaut beaucoup plus distant avec moi aujourd'hui, a-t-il lâché, rendant alors perplexe l'agriculteur. Mais est-ce que le but, si est-il que vous soyez potes tous les deux? Lui a donc demandé ce dernier. Bien sûr que non. Mais j'aimerais juste qu'on passe tous un bon moment, s'est alors défendu Bastien. J'ai vraiment cru qu'il y avait eu un malaise par rapport à ce que tu avais dit et les trois quarts du temps quand je me suis approché de Thibaut pour venir lui parler, il allait toujours à l'autre bout de la pièce. Une interprétation que Thibaut n'a que très peu appréciée. Et il ne cesse pas fait prier pour le faire savoir. Si j'avais mal pris ce qu'il avait dit, tu l'aurais su. Ne te mets pas à penser pour moi, on ne se connaît pas. Je vais avoir 38 ans, je suis grand, donc franchement, t'es saoulant. On n'est pas meilleur pote, on est complètement différent. Le seul point commun qu'on a, si est-il Julien. Basta, lui a-t-il fait comprendre, sans prendre de gants. Et d'ajouter, ce qui me gonfle, si est-il que tu te montes un truc qui n'est pas. Tu t'es bouffé toute la journée pour rien. Parce que moi franchement, ça me passe au-dessus du cigare. Tu es le courrier coup de cœur parce que tu as voulu écrire 9 pages mais si est-il ton problème. T'as fait 9 pages, t'es là. J'ai fait 12 lignes, je suis là. La discussion se terminera ainsi, sur une mauvaise compréhension des choses de la part de Bastien, trop empathique selon lui.